Une photo de Mario. C'est intéressant. Hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Paper Mario. Et on en est à Peach parce que Mario, il avait sauvé un esprit étoile et du coup, bon, on va pouvoir faire des trucs dans le château de Peach. Du coup, on va passer par le passage secret, tellement secret que tout le monde le connaît. Voilà. Allez, allez princesse, vas-y. Voilà, ça nous remet direct là, c'est cool. Et du coup, maintenant qu'on a le parasol, on va pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Genre lui, là. D'ailleurs, c'est étonnant que le garde d'en face ne me voit pas. Hey, hey, je suis maintenant un garde. Ah, c'est trop cool. Salut, les mecs. Je travaille comme un chien depuis quelques temps, dis donc. Ça fait genre... Il paraît que Camille Koopa a mis au moins quelque chose de terrible au-dessus du château de la princesse. Une arme secrète pour vaincre Mario. Mais je croyais qu'il était invincible. Salut, je dois passer. Tu patrouilles? Ouais. Oui, mais oui, je patrouille. Évidemment que je patrouille. Ah ben, je suis con. D'accord. Donc ça, c'est la chambre de Peach. Bon, on va ressortir. Ouais, c'est bon, elle est là, elle fait sa sieste, tout va bien, les mecs. Y'a rien à craindre, et tout, et tout. Bon, on va plutôt aller là-haut, en fait, du coup. Ça, c'est vraiment un endroit où on pouvait absolument pas aller. Intéressant, n'est-ce pas? Salut! Et oui, je peux passer, hein. Évidemment, je suis un soldat de la garde royale de Bowser. Quoique, y'a pas d'autres trucs à explorer, en fait. Bon, peut-être pas, on s'en fout. Alors... Après tout, maintenant que je suis un Koopa des ténèbres. Salut! C'est si calme ici! Mais oui. Mais rompez! Salut, je patrouille, je peux entrer? Oui, ma relève. Ah bah voilà, c'est moi! Ah ouais, d'accord, il faut que je devienne lui. À l'extérieur du château. Ah, d'accord. Bon bah cool. Ok, donc il faut que je devienne machin vert qui est à l'extérieur et on a la clé pour sortir. Cette infiltration... Non mais pas, c'est une exfiltration en fait. Et oui, je cherche à sortir. Et oui, j'utilise des mots savants. Alors, qu'est-ce que... Il y a une porte là. Je vais juste voir ce que c'est, mais je crois que c'est la cuisine ça là. Ah mais non, c'est l'Ender Chest. Ok, j'ai rien à foutre dedans d'ailleurs. Oh! Ah bah ok! Hein. Ah ouais, une déligelée, c'est bien, putain! Tadam! Bon, ça c'est fait, ok, c'est pour Mario, c'est parfait! D'ailleurs, personne ne voit la petite étoile qui me suit, hein, ça c'est fou! Ça c'est la cuisine, non? Ah non, ça c'est la salle à manger! D'ailleurs, il n'y est plus l'autre là! Dommage, je me serais bien transformé en lui! Bah, de toute façon, il n'y a pas de 36 trucs. Je peux pas me transformer en tout ce que je veux vu qu'il n'y a pas tout ce que je veux là. Alors, on est dans la salle principale du château. Salut dude! J'ai dit salut dude! Tu viens chercher la relève? Mais oui, évidemment, je viens chercher la relève. C'est ça la cuisine alors, non? Mais voilà, ça c'est la cuisine. Bon, j'ai pas trop besoin de cuisiner, hein, tu me diras. Il n'y a pas des trucs là? Non, en fait, y'a rien, hein, c'est... Ah, merde! J'ai appuyé sur B. Il fallait pas. Bon, c'est pas grave, ça ajoute un peu de challenge à tout ce bordel. J'espère juste ne pas me faire gauler direct. Puis, de toute façon, les gardes sont tellement cons. Merde! Bon, ben, c'est pas grave. On va refaire toute l'opération commando parce que j'ai un petit peu foiré. Mais genre, léger, quoi, hein. Pas grave. Eh oui, tu as fait une grossière erreur, putain de connasse. Oh, putain. Sans blague. Merci, Tincel, mais putain, quoi. Je sais que Peach est blonde, mais quand même, quoi. D'ailleurs, elle a les cheveux plutôt foncés dans celui-là, quand même, hein. Alors, donc, il faut que je copie ce garde. C'est le seul qui ne me voit pas du tout. Qu'il est con. Ah tiens, c'est quoi, ça?
Ah non, ça c'est la bibliothèque. Ouais. Ah, je peux devenir lui. Je peux lui parler aussi. Alors, rentre à l'intérieur. Ah, parce qu'il y a Camille Kuba ici. Non, ça serait juste énorme. Il y a une pile de livres en tout cas. Je peux peut-être sauter en tant que Mario. Ce serait cool. Parce qu'il y a un item là-haut là. Ouais, salut. Ouais, t'as raison. Après tout, le château il flotte, on pourrait très bien faire sortir la princesse Peach, je veux dire. Je ne fais rien de mal, vraiment. Ah. Oh, bah c'est cool. Au moins je serais pas venu pour rien. Non, bah très bien. Par contre, eux ils bougent, eux ils sont pas accessibles, hein, je veux dire. Parce que je veux dire, si j'enlève le déguisement en phase 2, ça va pas trop le faire, hein. Je pourrais le tenter, mais ouais, vous savez quoi? On va le tenter. Parce que YOLO des ténèbres. Allez, vas-y, fais le tour. Et nia! Et merde! Je crois que je l'ai touché, en fait. Bon, c'est pas grave. Écoutez, hein, moi, on me propose de m'amuser avec un parasol qui me fait changer en ce que je touche. Je m'amuse avec, moi. Hein. Oui, bah ça va, 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 ça va. Alors, troisième tentative. Troisième prise, action! Alors, donc, le garde. Bordel de merde. Y'a pas Bowser qui traîne quelque part. Donc ça c'est la bibliothèque. Ah ouais, Lender Chest. T'étais où? On va appeler ça comme ça, hein. C'était là, non? Ouais. Ça va déposer cette étoile filante, ça sera très utile quand je serai Mario, ça. Ça c'est quand même un putain de bon item, quoi. Pourquoi ce mob l'avait? On va savoir. Bon, faut qu'on aille chercher Ducon. C'est son nom, c'est officiel. Bon, puis on va pas se faire chier. Enfin, si, on va se faire chier, on va chercher un peu. On va farfouiller, hein. Donc, ça, c'était la cuisine. Y'a pas d'autre salle. Mais si, y'a une autre salle. Et d'ailleurs, ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, mais oui, y'avait un Toad là-dedans. L'armoire me dit qu'il y a personne. Bon, ça doit être vrai, hein, bien sûr. Ok. Et en face, il y a une porte aussi. Je sais pas du tout. Enfin, tout ce que je sais, c'est que ça vaut pas le coup de toute façon d'y aller, mais. On va y aller quand même. Il y a peut-être un item. Ou un badge, ça serait encore mieux. Ah, mais non, c'est la salle où j'ai fait le quiz. Ah. Ouais, donc il y a plus rien quoi. D'accord. Pour ne pas appuyer sur B surtout. J'ai envie de rester un Koopa des ténèbres, un Koopa en armure. Ils doivent avoir un nom. Mais je ne m'en souviens pas. Alors, on va utiliser la clé donc pour sortir du château. Schlunk. Et on va sortir du château. Ah bah tiens, il est là lui. Ok, bah parfait. Est-ce que je peux aller quelque part? Ah oui, alors ça c'est censé être des flammes, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas grave. Ah oui, d'accord, donc il y a un garde en dehors du château alors qu'il n'y a rien, quoi. Elle semble fermée. Ah, mince. D'accord, bon, bah je vais me transformer en toi, là. Salut, dude. Laisse-moi faire une petite sieste. Bah ça tombe bien. Transformation. Et retransformation. Je deviens un gros truc vert, moche et dégueulasse. Qui aime faire des siestes. Et là, il va me dire, mais qu'est-ce que tu fous dedans, retourne dehors. La relève, mais oui, je suis la relève. Je suis la relève, j'ai une grosse massue, j'ai des cheveux blancs et je suis tout vert. Mais à part ça, je suis une princesse. Bon, enfin bon, donc je suis la relève, je vais donc pouvoir passer en haut là. Pam 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 pam. Tiens, bonjour, c'est moi, la relève. Et où je patrouille? Bah 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 bah. Donc on va retourner là-bas. Tu as pris ton temps. Oui, j'ai un peu fouillé le château. Alors, tu es encore en retard. Moi je vais me coucher. Mais oui, c'est ça, va chier. Et ne pionce pas. Mais oui, mais oui. Le pauvre gars quand même.
Bon, on va pouvoir passer là, donc. Ça, c'est les salles du début où Mario s'était fait déglinguer la première fois. La preuve. Alors... Je sais même pas sur quoi on va tomber, honnêtement. Sur Camille Cooper, peut-être. Je suis la princesse, mais je ne connais pas mon propre château. Putain, je sais plus du tout... Bon, il y a une porte, en tout cas, hein, évidemment. Oh! Mais c'est la corniche. Enfin, c'est le toit, quoi, en gros. Bonjour. L'entrée est interdite au personnel non autorisé. Mais je suis déjà là. Eh ouais! Puis cette règle, elle est stupide. Effectivement. Oh! Tiens, salut Camille. Tout est prêt! Même si Mario se ramène avec tous les esprits étoiles, il n'aura aucune chance. Mais pourquoi donc, connasse? S'attendre au pire, paie toujours. Donc elle va me voir, elle va dire « Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ?»« Toi !» !»« Eh oui, moi !»« Tu fais du bon travail !»« Merci !» Tu sais, quelque chose cloche, tu sens trop bon. Il y a un problème. Et évidemment... Ah mon dieu, mais c'était Peach! Mais confisquez-lui son putain de parasol au lieu de la foutre dans sa chambre tout le temps alors qu'elle peut très bien en sortir, mais on l'a pas trouvé comment. Bon, allez, retour à Mario. Oui, j'ai eu peur. Ah mais oui, c'est bon, on va avoir un nouveau pouvoir. Quel plaisir de toi. Voilà, c'est étoile. Avec un H comme dans... Haricot vert. Donc, merci de m'avoir sauvé, oui, bah oui, ça c'est... Voilà, la paix va revenir, et tout, joie et allégresse, blablabla... Il ne reste qu'un seul esprit étoile à sauver... C'est mon cousin. Sers-toi de mon pouvoir pour t'aider dans la lutte contre le mal. Et hop. Et c'est surtout qu'on gagne une sixième étoile dans la jauge, hein. Ça c'est très cool, et on gagne... Temps mort. Vous arrêterez le temps ainsi que vos adversaires. Oh, c'est sexy. Je suis maintenant capable de me servir de 6 pouvoirs. Le mien devrait être très utile. Ben, on va espérer, ouais. Bowser est très fort. Ton chemin va être difficile, blablabla. D'ailleurs, je sais pas où c'est que je vais, là, en fait. Hein. Je retourne à Havre Étoile, ouais. Bon, ben... Ok. Félicitations, Mario! Grâce à toi, le champ de fleurs est magnifique. Reviens me voir bientôt, j'en serai ravi. Ouais, d'accord. Ah bah tiens. Salut dude. Surveille bien. Il a un cœur tendre, ouais tu parles. C'est un gros con, tu t'affioles ce mec. Alors, bah on va se barrer, on va retourner à Toadville alors. Ouais, bon bah voilà. Je pense que j'ai plus rien à la foutre dans le champ de fleurs. Il y a peut-être des éclats d'étoiles qui traînent quelque part, mais j'en ai rien à carrer. Alors. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux imaginer toutes ces fleurs. Eh oui. J'ai sauvé les fleurs, je suis un héros, youpi, tralala. Bon, non, il y a plusieurs choses que je veux voir. Oui, je sais. La boutique des badges. Alors, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Il y a initiative, putain, désolé, hein. Il y a sommeil, et il y a S-boost coup. La puissance du marteau de Mario augmente de 3. Dans le doute, on va l'acheter celui-là. Il coûte 2 PB. Point badge. Ok, c'est pas mal. Si je reviens direct dans la boutique, il y en aura toujours que 2, non? Ouais. Ok. Alors, ce qu'on va faire. C'est peut-être chercher à équiper le badge en fait, non? Ça serait une idée. Je cherche le truc du 007. Ça n'a pas l'air d'être là. Doit être plutôt... Ouais, plutôt genre là, non? Dans cette zone. Ah, quoique. Ah, ou alors il est en face. Juste voir, hein, ça prend 2 minutes, hein. De toute façon, on sait même pas où faut aller, de toute façon. Ah bah tiens. Le hasard fait bien les choses. Parce qu'on a plusieurs trucs à faire dans la zone de Toadville, là. Ouais, plein de trucs même. Ouh là là.
Déjà, il y a lui. Il y a lui qu'il faut qu'on aille voir, parce qu'il a sûrement un truc à vendre, peut-être, je sais pas. On va voir, écoutez. C'est un petit badge. Salut! Et oui, c'est indispensable, ça coûte 64 pièces, c'est toujours pareil, j'achète, je m'en fous, c'est un repousse-gel, c'est de la merde, c'est pas grave. Ouais... Pff, allez, ouais. Un morceau d'étoile, pourquoi pas. Allez, encore un, ça va être un badge. C'est un super champi, ben voilà, c'est mieux, ça valait le coup. C'est bon. Il arrive à me convaincre à chaque fois, ce con. Hein. Un champignon, bon ça c'est moins bien, par contre. Bon, stop. Stop. Faut que j'arrête de claquer toute ma fortune légendaire. Dans ce bordel. Et alors. C'est moi ou j'ai vu un truc dans l'arbre? Non, c'est moi. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Salut. Enfin, oui, je sais très bien ce qu'il y a là-dedans, mais... Tu vas cuisiner pour moi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne si on donne un champi et un super champi, par exemple? J'ai fait une sauvegarde, hein, comme d'hab. Le repousse-gel, je pense pas que ce soit un truc cuisinable. Allez, vas-y, fais la popote. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne un petit ragoût de champignons, non? Ah, ça marche! Ça donne un champi-chaud! Ouais, bon, bah, ok. J'ai cumulé deux trucs en un, c'est cool! J'ai rien d'autre. Enfin, j'ai une déligelée, mais je la garde. Champi-vie. Champi-vie, ouais. Ouais, non, bon, bah, on va garder. Ok. Alors, ensuite. Ensuite. Y a pas mal de choses, hein. Oulalalala, dis donc. Je suis full life. Ouais. Je suis full tout parfaitement, d'accord, c'est cool. Du coup, je vais où, là? Putain, je suis paumé, quoi. C'est pas du tout là que je voulais aller. Putain. On va aller profiter de ce passage à taux de ville pour faire le plus de trucs possible. Hein. En particulier dans les égouts, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Alors. Il faut qu'on aille au village Koopa déjà. Dans un premier temps. Hein. Parce qu'il faut qu'on fasse les quêtes du vieux là. Enfin, j'y tiens, vous voyez. Alors, quelle chance, blabla. Hein. Alors. J'ai un ami bou qui vit dans le ravin vendu. Pourrais-tu aller chercher un paquet qu'il me destine? D'accord, au moins je sais où c'est, ça. Un peu de mal à le trouver car tous les bouts se ressemblent. Ouais, d'accord. Putain, quand Goomba, Majordome et moi, nous sommes devenus amis avec ce bou. Putain, mais c'est con, quoi. Il vient de m'envoyer une lettre. Ouais. File le chercher, s'il te plaît. Ok, bon, il va falloir trouver un certain bout dans le ravin ventu. Bah, ça tombe bien parce qu'on n'est pas si loin. Du coup, ça va. Par contre, je vais passer par le désert. Histoire de juste, en fait, recharger le truc magique. Hein. Juste voir s'il y a Monsieur Quiz ici. Non. Il est peut-être là-bas. Hein. Il est souvent dans le campement, quand même. Hein. Oh. Mais attends. J'ai envie de savoir. Je veux tout savoir. Non, c'est pas là. C'est pas au milieu, bêtement. Ça doit être en vue, je pense. Genre là, non? Je fouillerai tout le désert s'il le faut. Bon, peut-être pas en fait. Ou alors il est là derrière en fait. Ça serait fourbe. Non, c'est pas fourbe. Alors. Bonjour, Madame Magie. Voilà, voilà. Merde, j'ai fait non. Ok, on reprend. Rebonjour! Alors, je veux le spécial, voilà. De toute façon, j'ai tellement de pièces que je peux largement me le permettre. Bam bam bam. Voilà, donc ça c'est fait. Allez, à bientôt, Youlou. Alors. Donc, alors, le ravin vendu, donc, hein. Je veux qu'on trouve un bout particulier. Je sais pas lequel. Est-ce que c'est ici qu'il faut aller? Ah, j'ai un doute. Mais je crois que c'est là, non? Voilà, ce tuyau, il mène bien au manoir bout, non?
Yep, j'ai pas tout oublié, donc c'est parfait. Ravin Ventus, c'est après, hein. Ouais, c'est par là, par ce chemin chiant, d'ailleurs. Ah, chemin chiant, mais qui contient un morceau d'étoile. Ah, bah il est là. Il est là, j'ai dit. Voilà. On va voir ce qu'on peut acheter avec ça. Peut-être qu'en... encore un petit badge. Oh. D'accord, ok, il m'a foncé dedans, mais en plein, quoi. Et moi, j'ai esquivé. Allez, bon, bon, on va le battre, hein, de toute façon, même si il va me donner 0 XP. Mais c'est pas grave. Peut-être 1, à la limite. Non, rien du tout, bon, bah. Super combat, donc. On va essayer d'éviter les combats, hein. Merde, merde, merde. Éviter, j'ai dit. C'est un boom que je cherche, c'est pas un Goomba. Alors, bon, ils sont là, les boobs. Bonjour, est-ce que c'est toi? Tu as bonne mine, oui. Il faut que tu pâlisses pour ressembler à un fantôme. Il a fallu des années d'efforts. Ah, c'est lui! Ah, j'ai vu plus pâle. What? Hein? Oui, c'est vrai que j'ai vu plus pâle, hein. Bon, ça doit être lui. Mon ami, vous a-t-il joué un mauvais tour? Ah, c'est lui! Où l'ai-je? Je ferais bien de le trouver. Ouais, il va falloir que je le trouve, c'est ça. Balade-toi un peu, je te donnerai à ton retour. Putain, mais j'ai pas que ça à foutre! Voilà, je me balade. Blablabla, je me balade. Oh là 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 là! Je me balade. Oula, j'ai peur, les mecs. Oh putain, je crois que c'est un crash, ça, les mecs. Bon. Putain. Bon, bah, ben, je fais une ellipse et je vous retrouve après. Ouais, donc, re. J'espère que ça va pas recracher, parce que ça ferait chier. Donc, on venait de jouer. Non, pas de jouer. On venait de trouver ce Bruno, voilà. Alors, je vais me balader, donc, si je comprends bien. On va parler à celui-là, juste. As-tu sauvé tous les esprits étoiles? Bah non, hein, le monde n'est pas encore sauvé, donc non, hein, désolé. Ah. Ah, c'était ça la balade qu'il fallait que je fasse? Non. D'accord, merci de m'avoir fait peur, c'est con, putain, mais... Bon. Bonjour. Qui vais-je terroriser? Mais terrorise ta mère! C'est ce qui rend les fous heureux, oui, bah oui. J'ai... Ah oui, oui, non, mais je serais terrorisé. Ouh là là, dis donc. C'était lui? Merci pour ta patience. Ah, bah voilà! Envoie mes salutations à Koopakoot. Et donc, j'ai le paquet. Eh ben, c'est littéralement un paquet. C'est un colis, tu vois. Ok, super, bon. Je vais save. Et on va essayer de sortir de là. Bon, ça va. Je sais pas du tout ce qui a causé ce crash, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de le refaire, donc on va faire comme si ça s'était jamais passé. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que devoir rajouter cette ellipse, ça va me rajouter du temps de montage et tout. Bon, c'est pas grave, je fais ça pour vous, les mecs. Alors, ici, il y a des herbes... C'est comment déjà ça? C'est les feuilles arbres, c'est ça. Autant en prendre une, je peux, donc pourquoi pas. Alors, retour à Toadville, et puis non, d'ailleurs, enfin, non, pas tout à fait à Toadville. On va retourner au village Koopa, puisque ça, c'est fait, hein. C'est par là, normalement. Ouais, c'est ça, puis après, les TP, ils sont là, voilà. C'est nickel, on va aller dire au vieux, on va aller remettre son paquet au vieux. Au vieux con, putain. Nous aura fait chier, celui-là. Alors, bonjour. Voilà ton paquet, dude. Par le pire à la lave, livide. Oh là là, c'est pire en pire, ces trucs. C'est mon paquet. Eh oui. Tu meurs d'envie de savoir ce qu'il contient. Dès que je serai parti. Oh, c'est pute. Bon, ça, c'est une pièce, voilà. Alors, quête suivante. Alors, les gens n'arrêtent pas de parler d'une noix de coco. Ah, c'est fantastique, dis donc, la noix de coco en ce moment, hein, dis donc. Ils disent que c'est délicieux, je rêve d'y goûter. Bon, t'en veux une, ok. Ça roule, une noix de coco, je sais où trouver ça. Sur un cocotier, peut-être. Et pas dans mon cul, hein. Par contre, village Yoshi, c'est pas où. Est-ce que c'était par là?
Je suis de moins en moins sûr. Ah, quoique peut-être. Oula, je suis pas sûr qu'il faut traverser tout ça. Non, 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 c'est pas du tout là. Putain, merde. Je suis paumé, ça y est. C'est peut-être en face, hein. Non, attends, si c'est le raccourci pour aller au village Yoshi, ça veut dire qu'il faut Sushi, en fait. Donc, c'est quelque part où il y a de l'eau, déjà. Ouais, là, il y en a, mais c'est pas celle-là que je parle. Ça doit être juste en face de, du trou, en fait, non? Bêtement, hein. C'est soit juste en face... Ah non, il n'y a pas d'eau, là. Non, bah, en fait, c'est en bas. C'est en bas, là où j'avais vu de la flotte, quoi. C'est là. Alors, Sushi, là, voilà. Hop. La 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 la. Voilà, c'est là. C'est ça. Je le savais. Alors, donc, village Yoshi... Est-ce qu'il y a une truc d'étoile ici? Non, d'accord. Oh, remarque, c'est un cocotier, ça aussi, là. Oh. Voilà. Une noix de coco! C'est fantastique. Alors, où est-il ce putain de truc étoile maintenant que je sais les faire? C'est du bien de revenir un peu là, quand même, non? Et pas bêtement là, non? Je cherche un peu, puis après on se casse, hein. Pas déconner, pas que ça foutre, hein. On a un monde à sauver, nous, merde. Bon, je crois que... Hein? Je pensais vraiment qu'il serait sur la plage. Ouais, bon, bah, fuck it. On va reprendre le tuyau, ou alors peut-être le YOLO coup de marteau, non, je sais pas, non. Non, bon. Bah, tant pis. On va aller donner sa noix de coco à l'autre con. Ce sera peut-être encore un petit épisode un petit peu plus long. Merde, c'est pas par là. Ah oui, d'ailleurs. On pourrait y aller par là, d'accord. Ok, bon ben, fight. Tout à fait pas voulu du tout. Allez, hop, super séisme des ténèbres. C'est encore pire que le normal, le séisme. Nya. Prenez ça, bitches. Et ça fait 5 dans ta gueule. Voilà, t'es mort et tu dégages. Même pas d'XP, rien que dalle. Un suppôt et au lit, quoi. Ok. Bah là, y'a un tui... Merde. Un tui merde. J'en étais sûr. Un tui merde. Bah on va refaire pareil, hein, écoutez. Hein. Ça marche bien, cette attaque. Voilà. J'ai quoi pour les buter les deux d'un coup? Est-ce que Cooper fait 4? Il me semble, hein. Mais oui. Mais c'est parfait. Putain, je fight pour rien en plus, c'est vrai, je pourrais fuir ce genre de fight. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'il n'y en a pas un autre. Ah, je peux pas voir ce qu'il y a, ce que c'est que ça. Et ça, je pouvais pas le faire non plus. Ouais, je crois savoir pourquoi. On va... je suis trop curieux pour ne pas aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce tuyau, là. Il y a peut-être un truc pour level up quelqu'un, hein. Du coup, on va prendre la Kidester, parce que, évidemment, c'est le moyen de passer. Voilà. Et le tuyau mène... Suspense... à une bonne partie des égouts. Fuck. Peut-être qu'avec Parakari on peut aller en face. J'ai pas envie d'attaquer ça, moi. Eh ben en fait, si. Ou alors pas du tout. Ouais, ça c'est pas terrible. On va refaire un super séisme, hein. Ça marche bien sur tous les ennemis, de toute façon, ça. Ils sont à 1. Bon, on va les achever avec ça, puis voilà. Hein. Ça, ça fait 3 à tout le monde. Donc ça, c'est bon, hein. Ah, il donne de l'XP, ceux-là, tiens. Cool. Pire, je pourrais me healer à taux de ville en revenant, donc c'est pas très grave. Si on peut, par exemple, éviter les combats, ce serait cool. Merde. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon. On va le fuir, celui-là, rien à foutre. Ah, si je peux. Ouais, c'est bon. À l'aise.
alors, je perds que des pièces. Ah, mais il y a un truc à défoncer ici, carrément. Ok, ouais. Je peux absolument pas accéder à ces trucs. Ah, ça, je peux le péter, par contre. Et ça mène à quelque chose, sûrement. Ça donne envie, hein. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, un gros coffre, carrément. Oh yeah. Les bottes ultra. Je me demandais quand c'est qu'elles arriveraient. Bah c'est maintenant. Et donc je peux faire l'attaque rodéo en appuyant sur A une fois en l'air. Et donc ça a un peu changé. Donc cette attaque, ça permet de faire ça. Et c'est ça qui nous permet de sauter plus haut en fait. Ah c'est cool. D'accord. Je m'attendais pas trop à ça en fait. Je pensais que c'était encore plus tard. Bon bah cool, très très cool. C'est fantastique, c'est fantasmidable, c'est trop bien, c'est voilà, c'est swag, c'est cool. Bon ça c'était useless, la vache. Il devait y avoir un bloc au milieu des deux là. Putain, par contre eux ils vont faire chier. Ça c'était obligé. Puis en fait ouais le repousse gel, j'en ai rien à carrer. Voilà. Putain d'ennemis à la con. Barrez-vous quoi. Je sais que j'aurais pu utiliser ce repousse gel, mais je m'en fous. Bon, là, Killester, porte-moi. Non, tu peux pas. Putain, je peux pas passer là, bêtement. Je vais le tenter, vous savez quoi. On est là pour expérimenter des choses. Non, d'accord. C'est un échec. La vache. Ok, il y en a un autre là-bas. Ouh, c'est esquive. Ok, bah nickel. On continuera les égouts une autre fois, parce que maintenant qu'on peut accéder à d'autres trucs... Eh ben, on peut accéder à d'autres trucs, figurez-vous. Alors, on va reprendre Lucky Lester pour passer ici, normal. J'aimerais juste donner sa noix de coco à l'autre gland, là. Le pire, c'est qu'il doit encore y avoir une quête après. Putain. Allez, on passe à Sushi. Voilà. Et on se barre de là pour aller au village Koopa. On commence à connaître le chemin. Hein. Alors. Salut, j'ai ta putain de noix de coco, tu veux que je te la foute dans le cul? Par le grand Cleft. Comment l'ouvrir? Oui, bah, tu te démerdes, hein. Allez, donne-moi une pièce, d'accord, c'est cool. Ensuite, encore un truc à faire. Je ne serais pas contre avoir une de ces jarres rouges faites dans le désert sec-sec. Il paraît qu'on peut en avoir une qu'en achetant des choses au campement sec-sec dans un certain ordre. Je dois commencer par un marteau rouillé, pâte séchée, et un autre marteau rouillé. Alors attends, marteau rouillé, pâte séchée, marteau rouillé. Ah, et autre chose. Ah, putain. Bon, ben, on va aller faire des emplettes, hein, du coup. Ouais, du coup, faut que je les achète à chaque fois, du coup, il va falloir des places et tout. Oh, putain, le truc chiant. Puis attends, je suis un peu full stuff, là, non? Eh ouais. Bon, ben, on va déposer plein de trucs. Putain, le mec chiant, quoi. Bonjour. Alors, on va déposer tout plein d'items, genre tout. On va même accélérer cette phase. Ça marche pas, d'accord, c'est pas grave. Bon, ça devrait suffire, de toute façon, j'ai de la place maintenant. Non, ça va, c'est bon. Maintenant, casse-toi. Alors, c'était marteau rouillé. Ça va, ça coûte deux pièces, c'est bon. Ensuite, pâte séchée. Ensuite, donc, marteau rouillé. Et je dirais champi séché, parce que on est dans la catégorie des items qui servent à rien. Ah, c'est ça! Oh yes! C'est un signe du destin! Je dois donc t'offrir ceci. Eh bien, c'est un vase rouge, d'accord? C'est fantastique, hein, dis donc! Ok, bon, ben, rends-moi mes items. On va les revendre, les trucs. Rends-moi mes pièces, espèce de truc. Oui, je peux te vendre autre chose. Alors, ne pas vendre le truc à 30, hein, surtout. Non, voilà.
Alors par contre, je vais retirer mes items. Parce que c'est... Non, je veux pas acheter, putain! Pourquoi ils ont mis l'option acheter sur le vendeur alors qu'elle sert à rien? Putain! Retirer, bordel de chier! Ah ouais, merde, j'avais déjà des trucs là-dedans. Bon, on va retirer ça. Ça, je m'en fous totalement. Le champivy, ouais. Le super miel. La super gelée. Le repas naze. C'est con, quand même. Le champivy, j'en avais deux. Bon, j'en avais peut-être deux. La déligelée, ouais. Et le champichot, je devrais pouvoir. Voilà. Bon, s'il me demande, c'est que je peux, non? La feuille d'arbre. Voilà, maintenant, je peux plus. Ok, super. Donc, j'ai le vase rouge. Je vais donc pouvoir le donner à vieux con. Ah ouais, c'est officiellement son nom, hein, maintenant. Putain. Ah, merde. Village Koopa. Alors, j'ai le vase rouge, c'est parfait. Pas savoir pourquoi il veut tout ça, en plus, hein. Putain, il veut chier dedans, je sais pas, mais... Il veut y mettre sa noix de coco, je sais pas, mais... Alors, vase rouge, voilà, tiens, cadeau, au revoir. Par le masse vol volant. Elle est un peu sale. Mouais. Tu rends tant de service à ce vieux Koopa. Ah ah. Tout ça pour 3 morceaux d'étoiles, c'est fantastique. Et il a plus de service à me demander, c'est normal, il y en a 3 par chapitre. On verra ça quand on aura sauvé le prochain esprit étoile. Bon. Ben, prochain esprit étoile, je sais même pas où il est, ni qui c'est, donc pour l'instant, c'est YOLO total dans Topville. Puis en fait, ça va être la fin de cet épisode, surtout parce qu'il dure depuis largement assez longtemps. Donc, bah, on va fouiller la prochaine fois un peu dans toute ville pour savoir ce qu'il faut faire. Et je pense qu'on va aller s'aider de nos amis magiciens pour ça, parce que je sais pas du tout où je dois aller. Et ça, c'est quoi? C'est le multibon méga-séisme. Méga-séisme. Dans le doute, je vais l'acheter, ça. 3 PV. Ah, attendez, vous savez quoi? Je peux peut-être même l'équiper, en fait. C'est pas celui que j'avais, en fait. J'ai un gros doute. Je l'aurais pas genre deux fois, celui-là. Non, c'est super, c'est ce que j'utilise. Eh, ouais. Alors que là, c'est pour 7 PF. Dégâts énormes. Intéressant. On va peut-être enlever quelque chose, alors. Ah, remarque, non, ça, c'est trop bien. Ça aussi, c'est bien, putain. Trouve-fleur aussi, c'est... Non, il y a tout qui est utile. Donc, en fait, non, on va attendre le prochain level up pour faire des trucs, je sais pas. En tout cas, je l'ai acheté parce que j'avais le fric, voilà, bon. Et ben, en tout cas, c'est la fin de cet épisode. D'ailleurs, on va aller le finir en dormant. Et, ben, je vous retrouve dans le prochain, hein, moi. Donc, salut à tous, portez-vous bien. Et moi, je vais faire une bonne sieste, donc, joyeux Noël!